Non. Si. T'es sérieuse? Attends, écoute ça. Il y a Gauthier qui vient de l'inviter à dîner. Bah quoi? Pas rien, mais oublie pas ta carte bleue. Hein. Elle ne sait pas qu'il est radin. Elle ne sait pas qu'il est radin et elle ne va pas le croire en fait. Il va y avoir deux, trois allusions, elle va avoir deux, trois aussi événements qui pourraient l'amener à penser qu'il est radin, mais elle pense qu'il joue tellement avec amour et générosité du violon qu'elle ne peut pas imaginer qu'un mec comme ça puisse être radin dans la vie. Voilà, je voulais vous demander si vous... Vous pourriez me donner non. Un peu de votre temps. J'ai encore jamais joué avec l'orchestre et voilà, je le traque. Oui, enfin c'est... Demain? Quand je vous ai entendu jouer l'autre jour, c'était... Ça... J'ai su qui vous étiez vraiment. C'est... Et aujourd'hui ça se confirme. Mais les autres, ils savent pas. Moi, je l'ai appelée Julie, je lui ai tout raconté. Votre combat, comment vous mettez vous-même dans le besoin pour donner aux autres, tout ça, là-bas. Elle a pas voulu me croire, cette grosse connasse. Putain, mais moi, je l'ai défoncée, quoi, parce que c'est dégueulasse. C'est de la jalousie, en fait, c'est une coincée du cul, là, ça doit tout être. Cette tête de mal baisée, là, ça se voit qu'elle est mal baisée. Mais putain, mais moi, je dis, mais qu'elle prenne sa grosse contrebasse, là, et que je s'en fous. Elle est tellement premier degré et elle est en empathie. C'est comme quand on a un premier amour et que on l'aime et c'est trop tard. Quand on le voit, on l'aime. Quoi qu'il se passe après, il peut être un gros con. On met du temps à découvrir en fait. François, je voulais vous dire. Oui. J'ai jamais rencontré un homme comme vous. Valérie, je. Je suis pas l'homme que vous imaginez. Je sais, vous êtes mieux. Toi et ta gueule, espèce de grosse connasse boulimique. Là, tu veux tout bouffer, hein? Eh ben tiens, bouffe! Eh ben tiens, mange, bouffe, je sais plus. De jouer avec Danny, c'est quand même quelque chose d'assez dingue, parce qu'il a un sens de la comédie, j'ai jamais vu ça. Le raccord, s'il te plaît. T'es pas accordé. Non, je suis c'est pas sommage. T'es méchante, là, je suis à fond de ce que je peux faire. Normalement, tu aurais dit putain, waouh! J'adore les rôles où on apprend quelque chose. Donc, la dernière fois, c'était du bowling. Donc, là, j'étais plutôt contente d'apprendre un instrument et super excitée de me retrouver dans un orchestre. Parce que c'était un peu un rêve d'enfant. Donc, du coup, là, je prends mon pied comme jamais et j'ai vraiment. Jouer le jeu à fond, je bossais chez moi et ouais, ça m'a vraiment éclaté. Après, évidemment que dès qu'on enlève la musique, c'est archi faux et que c'est complètement inaudible. Mais le but est surtout de faire les coups d'archer, d'avoir les déplacements de main en même temps que tout le monde. Donc après le reste, voilà. Avec la musique en off, c'est nickel. On se fait une répète, hein? Ouais, ouais. Si, mais je crois que je précise effectivement. J'ai eu un super coaching avec Guillaume, là je suis coachée encore par Émilie à côté, qui s'adapte à mes gestes, donc ça c'est génial. La musique est sublime, enfin on se fait porter par la musique, on s'emballe quoi.